Si jamais vous souhaitez vous poser, pour une raison X ou Y, le baptême c'est pour vous, c'est pour votre plaisir, donc hop, vous me faites ça, et moi je viens me poser. Bon, il n'y a aucune raison, hein, mais... Ouais, j'espère on sait, pas. Voilà, on sait jamais, d'accord? Ok. Martin s'envole. Dans son dos, un champion du monde. Pascal Vallée lui fait atteindre la barre des 500 mètres d'altitude. De là-haut défilent les paysages verts de Corrèze. Après 10 minutes de vol, le pilote coupe le moteur. Plus un bruit, l'aéronef entame une chute libre comme un oiseau. Martine est aux anges. À son retour sur Terre, elle a encore des étoiles plein les yeux. Super, génial! Je sais pas exprimer, c'est vraiment... c'est super! Je repars avec un champion du monde. Attends, la sécurité! Invité par une association locale, le pilote charentais Pascal Vallée n'est pas en compétition. Pas de pression donc, simplement l'envie de faire vivre un sentiment de liberté et peut-être susciter des vocations. Des gens qui vont avoir envie d'aller plus loin, parce que souvent c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé pour moi. On découvre le vol un peu par hasard. Bon, personnellement, j'ai le vertige. Hein. Ça peut paraître fou en fait de vous dire ça, mais voilà, j'ai du mal à monter sur le toit d'une maison. Et puis j'ai découvert en fait le paramoteur par hasard et je suis tombé vraiment red dingue de cette activité. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a des gens du coin qui vont avoir envie de passer leur brevet et devenir pilote autonome. Hein. En plus, c'est pas très compliqué de devenir pilote. Il faut un peu de travail, mais c'est quand même permis voiture comme tout ça. Quoi. Comme quoi, prendre un petit peu de hauteur est à la portée de tous.